Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie. Que dis-je, la joie? Le bonheur, subtil et fin, le plaisir immense, oui, d'accueillir une fille. Ouais, une fille dans Trick Track TV. C'est toujours plus vu les Trick Track TV avec des filles. Et cette fille n'est ni plus ni moins que Mademoiselle Mathilde. Salut. Voilà, qui est une digne représentante de Gigamix, c'est écrit là. Digne. Avec votre nouveau logo. Ouais. C'est bien ouais. Ça. Ouais. Ouais. Avec donc, Tipouic. C'est vrai, oui. Donc Mathilde, tu es là pour nous présenter une petite nouveauté qui est arrivée sur l'étal il n'y a pas très longtemps. Une petite nouveauté, éditée par à la fois Amigo et francisée par vous. Voilà. C'est bien ça. Nouveauté française, c'est ça. Parce que ça existait déjà. Comment il casse l'ambiance? Qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une nouveauté aussi en Allemagne? Oui. Ah oui. Ça a été présenté à Essen pour la première fois. Ah oui. Ouais, et là moins 50 points de crédibilité. C'est moche. C'est confondu avec un jeu de Wallace, sûrement. C'est ça, oui. Oh, la pirouette. Tu vois, c'est là qu'il est très fort. Il est bon. Certains se seraient écroulés, mais lui, non, paf. Il reste digne. La petite pirouette. Donc, ce sont les petites locaux. Le jeu des locaux tamponneuses. Oui. C'est bien ça? Oui. Un jeu pour 2 à 4 joueurs. Oui. Nous sommes 3. Ça tombe bien. 45 minutes. Ou moins. Ou moins. On peut moduler. 6 ans et plus. Oui. Ça va? Quand on sait jouer aux petits chevaux, on sait jouer à petites locaux. Ah, c'est un jeu pour les tout-petits, alors. 6 ans. C'est un jeu pour la jeunesse, pas les tout-petits. C'est pas 4 ans, voilà. C'est, voilà. Si, pas les tout-petits. Aux commandes de vos magnifiques locomotives, vivez une course pleine de rebondissements. Bon. C'était préparé, ça, ou... Non, c'est l'impression. D'accord, c'est pour affoler les garçons qui regardent la vidéo, c'est ça? On pourra le mettre en rond. Chaque joueur reçoit 4 locomotives d'une même couleur. L'objectif est d'en amener 3 à l'arrivée au plus vite. Les locomotives se déplacent sur les voies ferrées à l'aide des dés. Mais la prudence est de mise, car les plateformes de triage pivotent continuellement pour perturber le trafic. Et les cheminots adverses vous percutent pour vous faire dérailler ou vous envoyer contre un butoir. Toute locomotive accidentée devra redémarrer depuis le départ. Quand les voies sont libres, les petites locos roulent à toute vapeur vers l'arrivée. Il faudra un peu de chance et pas mal d'habileté pour être le premier à amener 3 locomotives en gare d'arrivée. L'ai-je bien fait? Tu l'as très bien fait. Il y a encore un petit truc derrière, je le lis aussi. Avec les petites locos, retrouvez la grande joie des petits chevaux, sublimés ici par un beau matériel et une mécanique de jeu percutante. Percutante. Absolument. C'était on va percuter à mort. Il y a la règle dedans? Que je montre à quoi ça ressemble? Oui, il y a la règle dedans. Règle les deux. C'est une boîte qui proute. Donc les petites locaux, voici la règle, extrêmement illustrée. Hein, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Elle n'est pas très longue, donc ça nous confirme dans le fait que c'est un jeu... Bon, en même temps, si c'est les petits chevaux... Pour les enfants, mais pas trop quand même. Je pose cette boîte par-devers moi. Ah, c'est sublimé. Vous avez rien à foutre de ce que je raconte, c'est ça? Écoute, est-ce que tu vas la mettre par-devers toi? Ah bah oui, regarde, je vais tirer un peu par-devers moi et je la pose ici. J'adore. Voilà, c'est par-devers moi. Et nous t'écoutons, jeune Mathilde, les foules entières t'écoutent. Comment marche donc ce jeu des petites locos? Alors, donc, le but du jeu, c'est d'amener ces petites locos. Donc là, c'est la zone de départ et on va faire tout le tour jusqu'aux arrivées. Alors là où on peut moduler, c'est qu'on peut dire c'est le premier qui fait arriver une loco ou deux locos, 3 locos, c'est forcément selon si on a 10 minutes, un quart d'heure ou 2 jours devant nous. Exactement. Alors, comment ça marche? À son tour, on va jeter les dés. On a un dé avec des couleurs qui va indiquer quelle plateforme va bouger. D'accord. Hop, donc elle va forcément aller dans là, le trou. Là, c'est bleu, donc c'est bleu. Exactement, bien vu. Et ensuite, j'ai 5 points pour me déplacer avec ma locomotive, d'accord? Donc, bah, au départ, je prends... Il prend celui-là. Non, pas celui-là. Tu as direct dans le butoir. Donc ça me coûte 1 d'arriver, et ensuite 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors ça, par exemple, ça pourrait être déplacé au prochain tour avec ma loco dessus. Et tu vas toujours dans le sens de toujours dans le sens de la marche. Si tu te retrouves ici... Je vais faire demi-tour. D'accord. Mais on peut la retourner, la plaque, si on veut. D'accord. C'est un choix. Comme ça? Donc comme ça. T'as le droit de faire demi-tour? T'as le droit de faire demi-tour. Oui. Tu vas toujours dans le sens de la marche. Voilà, c'est-à-dire que si moi je te fais ça... On va me retourner. Tu la montres devant la caméra. Ok. Ok. Okay. Autre chose, c'est le jeu des locaux tamponneuses. Eh bien oui, donc oui. On peut se tamponner. Donc on peut se tamponner. Ça veut dire que par exemple, si ici je suis là et que je fais 5, je vais faire 1, 2, bing. Et celui-là va prendre la suite, 3, 4. Et là, bing. Butoir. Butoir, je reviens à 0. Ah, butoir, c'est. C'est paf pastèque. Qu'est-ce donc que ces choses? Alors ça, c'est quand tu as fait arriver une de tes locomotives, hop, tu la mets dans la gare.
Il n'y en a que pour 3 joueurs. Parce qu'il faut. Parce que, mais il n'y a que 3 locomotives normalement. Voilà, il n'y a que 3 locomotives qui vont arriver. Tu t'arrêtes, quand il y a le quatrième, on s'en moque. Ah oui, non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, ok. Ok. Voilà. C'est tout ? Oui, c'est tout. Qu'est-ce que c'est la règle avancée, et qui n'est pas, si difficile que ça. Ça rajoute juste qu'à chaque fois qu'une locomotive est accidentée, c'est-à-dire soit elle se prend le butoir, soit elle va dans les champs obscurs, voilà, j'ai le droit à ce petit machin-là. Ce petit machin-là, à quoi il me sert ? Il va me permettre, à mon tour, plutôt que de lancer le dé pour choisir la plateforme qui va bouger, je donne ça et je choisis. D'accord. Et ça peut être arrangeant à certains moments. Mais il y a plein de petites différences. Non, c'est les mêmes. Et ça peut aussi être dérangeant pour d'autres. Exactement. Parce qu'on peut aller embêter les autres. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ok, on y va ? On y va. Allez, vas-y. D'accord. À toi l'honneur. Oui, la règle dit que c'est le plus charmant qui commence. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est... je commence à bouger la plaque. On était comme ça. Je bouge la plaque d'abord, c'est ça ? Voilà, tu bouges la plaque d'abord. C'est jaune. Vaut mieux pour toi, de toute façon. Oui. Et le chemin le plus court, c'est ici, peut-être. Hein. Donc là, je fais 5, c'est ça ? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui, tu es toujours sur la plaque. C'est à toi, je crois. Allons-y. Alors, la rouge. Rouge. Donc je gagne si j'amène 3 locaux, hein. On est bien d'accord. 3 locaux. On peut dire une pour la vidéo. Oui, mais alors le souci, c'est que je gagne aussi si j'amène 3 locaux. Là, mais j'amènerai avant toi. Ah, oui, c'est le premier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et là, voilà. Et là, je bouge la jaune. Et je suis obligé de vous avantager. Et oui. Alors, tu peux peut-être faire en sorte qu'il y en ait un qui se retrouve face au butoir. Mais c'est bien d'être au butoir. Voilà. Ah, non, par exemple. Je vous avantage super, là. Mais t'avantages surtout la fille. Ben non. Non, regarde. Moi, je vais dans le bin. C'est pas un truc d'arrivée, ça ? Par contre ? Ah bah si, c'est l'arrivée. C'est un but en arrivée, ça. Enfin, excusez-moi d'avoir... C'est l'arrivée. Alors ça, je suis bien le seul à pas avoir lu les règles, jamais, mais moi, je vois tout de suite. Bah oui. Et en plus... Toi, par contre, moi. Et en plus, je suis auto-couillonné, puisque... Oui, tu vas... Voilà, mais non, mais attends, c'est pas très... Si, si, c'est très... C'est pas très cool. C'est comme ça. Mets-la loin, au moins. Quoi ? Mets-la loin, remets-la dans l'autre sens. Je peux la mettre comme ça. Comme ça, toi, tu vas... Voilà. Ah non, 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 faut que ce soit contre le butoir. Il rigolait pas. Attends, mais la loin. Le butoir, non, non, non. Non, 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 non. D'accord, ok, vas-y. Allez, vas-y, fais ça. Et 6, moi, ça ne fait rien parce que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu t'en. Je déraille. Tu t'arrailles. Je déraille, qu'est-ce qui m'arrive ? Tu dérailles complètement, moi. Rouge. Ça ne me sert à rien. Tu peux mettre en route une autre loco. Ouais, mais c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas d'autres possibilités, là. C'est plus court, ça, comme chemin ? Ouais, hein. C'est sans doute plus court de faire ça. Oui, il y a des chances. C'est peut-être celui-là. Le plus court, c'est celui du milieu. Ouais, mais je peux pas... Ah oui, il faut partir d'ici, en fait. Ouais, tu peux. Ouais, donc ça change rien. Là. Et j'ai fait combien ? 5. 5, ah oui, c'est moche, 5. 1, 2, 3, 4. Si, c'est bien, 5. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Voilà. Ah bah fais du jaune, Mathilde. Bah, joue trop bien, Mathilde. Jaune. Voilà. Ah là 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 là. Toi, non, mais tout est calculé. Tout est calculé, je vois, je vois, je vois. Et en plus, là, vous êtes à l'envers. Et j'ai fait 6, 7, 8. Ça fait beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ça paraît pas mal, ça. Hop. C'est moche. À toi. On a vite compris comment ça marchait, oui. En fait. Hein. Oui, effectivement, je comprends la notion de petits chevaux, c'est-à-dire. Mais on n'a pas tamponné encore. C'est-à-dire. Jaune. T'en sors un, deux, t'en avances un, vite fait. Arrête. Allez. Après, 6. Tu t'étonnes que t'es pas d'amis. 6. 12. Alors tu vas pouvoir décider de rejouer ou pas, mais avec la même loco. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un double. Ah, mais ça, tu ne l'avais pas dit dans la règle. Ça change rien. Oh, mais tu me connais, j'aime bien mettre des trous. 1, 2, 4, 5, 6. Ah, mais il a 12, là. Oui, il y a 12. Donc il tombe. Hein. Mais moi aussi. Non, 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 parce que toi, tu bouges plus. Là. Il n'y a que celle-là qui tombe et qui absorbe. Ah ouais, ça me plaît beaucoup comme jeu. Tchou-tchou. Bleu. C'est cool. Non, je peux pas. Bon, ça changera rien quoi que je fasse. Hein. J'ai fait combien ? J'ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tchou-tchou. Pète-lui sa gueule. Alors, rouge. Très bien. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Hop, voilà. Et j'ai toi, fait tu veux 5, que je te tamponne. 7, 1, 2, 3, 4,
5. Ah bah non, ah bah non, j'étais là. Ah bah non, alors je vais sortir une copine. Ah mais non, non plus. Et ben voilà. J'ai l'impression que je l'ai dans le... Chululu. 1, 2, 3, 4, non. Et ben celle-là, elle est... Voilà. Voilà. Alors, jaune. Ah, rien ne sert de courir. T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Là. Arrête pas, arrête de tout casser. Là. Et je fais... 6 ans, on peut jouer à plus petit encore. Dès que tu sais jouer aux petits chevaux, tu peux jouer à celui-là. Ouais. 1. Alors, ça me fait 2, 3, 4. Merci. Oh, t'as décidé de l'aider, toi. Oui, il est sympa. Jaune. Là, je vais te dire, moi, je vais arriver d'une force. Mais tu peux me mettre dans le bon sens, du coup. Alors, tu es là. Tchou, tchou, tchou. Et ouais, ça, c'est pas mal du tout. Tchou, tchou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Touche. Bien joué. I win. On n'est pas obligé d'aller aux autres... Aux autres si vous voulez qu'on continue un non, petit non, peu. Non, c'est bon. On a vu la règle. Compris, c'est extrêmement simple. Ah, oui. Hein, regarde. Beau. C'est très, très beau. J'ai gagné. C'est très mignon. C'est très beau, c'est très simple. Et puis c'est plus, un petit peu plus dynamique que les petits chevaux. Comme, oui. Comme, il y a quand c'est même un peu des moins frustrant. Moments, ouais. Voilà. Okay. Ouais, t'as un peu de stratégie quand même, contrairement aux petits chevaux, où tu peux décider de la plaque. Surtout en jouant avec, celui, avec, bah oui, la avec variante. Les ouais. Donc je remonte. Piste fameux 6 pour démarrer. C'est orbitable. Oui. Les petits clocos. Un jeu de Bob Lindner. Merci Bob. Chez Amigo et Gigamic. Oui. Pour un prix de. C'est marqué, pas cher, c'est marqué. Pour un prix de pas cher, si vous appelez immédiatement le 802 713 83 83 6 fois, vous avez cette boîte pour pas cher. Voilà. On est bien d'accord, mademoiselle Mathilde. Bon, les petits enfants, pour les jeunes, jeunes publics. Voilà. Pas pour lui, qui sait pas jouer. Pas pour les vieux, croutons, qui sont moches. Il a triché. Avec un gros colon.